les pratiques traditionnelles de tatouage dentaire suscitent un intérêt ancien et persistant. Mais leur impact sur la santé bucco-dentaire soulève des interrogations importantes. Le tatouage dentaire, une pratique ancienne remontant à plusieurs siècles, consiste à insérer des pigments dans les mailles dentaires pour des raisons esthétiques ou culturelles. Cependant, son effet sur la santé bucco-dentaire demeure un sujet de débat et de recherche. Les pratiques de tatouage dentaire peuvent compromettre l'intégrité de l'émail dentaire, augmentant ainsi le risque de caries, de sensibilité dentaire et d'inflammation gingivale. De plus, les matériaux utilisés peuvent contenir des substances toxiques susceptibles de causer des réactions allergiques ou des infections. Malgré les risques potentiels, le tatouage dentaire reste une pratique culturelle dans certaines communautés, reflétant des traditions et des expressions artistiques uniques. Comprendre ces pratiques dans leur contexte culturel est essentiel pour fournir des soins bucco-dentaires sensibles et appropriés. Une étude menée par L.M. Widmar a examiné les effets à long terme du tatouage dentaire sur la santé bucco-dentaire, mettant en évidence les risques associés à cette pratique. Bien que le tatouage dentaire soit ancré dans certaines cultures, il est crucial de bien reconnaître ses implications sur la santé bucco-dentaire. Une évaluation attentive des risques et des avantages est nécessaire pour informer les patients et les professionnels de santé, garantissant ainsi des pratiques dentaires sûres et éclairées.